Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous présenter comme véhicule vedette l'Infiniti Q50. Nous avons plusieurs chroniques fort intéressantes pour vous. On va voir Richard Pelchat de Silverwack, Jean Guiroy de Desharnais Pneumécanique. On va parler redressement de crédit avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit et M. Daniel Beauvais de Point S aussi va être avec nous. À la fin de l'émission, on peut toujours répondre à vos questions. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais vous pouvez toujours nous envoyer vos questions 670-9078, poste 230 ou encore virage@tilmac.tv ou via notre Facebook. Salut messieurs! Salut Daniel! Comment ça va? Très bien, merci. Émission fort chargée aujourd'hui. Ça semble. Plusieurs sur une émission éducative. Éducative. Oh, attention! Ah, oui. On fait dans l'éducatif maintenant. Dans l'éducatif, je pense qu'on peut aider beaucoup de personnes aujourd'hui avec nos différents sujets. Ça va être fort agréable. Et nous avons quand même une voiture assez intéressante aussi en studio. L'Infiniti, on s'était mal compris, Marc. Moi, je pensais que tu arrivais avec la QX50. Non, mais en fait, c'est probablement le plus gros problème d'Infiniti actuellement. Personne ne comprend rien dans leur appellation. Alors, on va rappeler que la Q50, les Q, en fait, ce sont des berlines ou des coupés, alors que les QX, ce sont des utilitaires sport. Et non, c'est la Q50, la Red Sport, donc la Red Sport 400, la version la plus vitaminée de la famille de la Q50. Donc, c'était ça que tu m'avais dit, c'était pas la QX. Moi, j'ai dit okay. La Q50 Red Sport. Si tu as compris QX, peut-être que tu manques de sommeil, mais ça, c'est ton droit. Oui, oui, dernier mais, voyage. Mais ce qui est arrivé, c'est la Q50. C'est ça. C'est la Q50. Alors, version musclée de la Q50, comment tu l'as trouvée? Bien, moi, j'aime beaucoup cette voiture-là. J'avais eu l'occasion d'essayer la version prototype, qui était la version eau rouge, qui avait plus de chevaux encore. Ouais. Et on avait décidé de ne pas la produire parce que, on avait mélangé un peu la mécanique de la GTR là-dedans. Puis c'était vraiment un peu trop intense et ça aurait fait une voiture d'un peu plus de 100 000 $ Il n'y avait peut-être pas de marché pour ça. Donc, on a voulu être plus raisonnable. On arrive avec un véhicule de 400 chevaux, V6 3 litres, turbo bien entendu. Honnêtement, qui répond bien. J'aurais aimé un peu plus de sonorité parce que j'aime quand même quand on accélère qu'on l'entende autant qu'on le sente. Mais ça va bien. Et la particularité aussi, c'est que c'est un Infiniti, et Jacques pourra en témoigner aussi, c'est des voitures qui ont une certaine douceur en accélération. Fait que même si elle est en mode sport ou sport plus, qu'elle est quand même agressive, on s'entend, tu es quand même dans le confort de la voiture Infiniti et tu as cette douceur-là qui est fort agréable. Et c'est genre, une voiture qui est reconnue pour ça, Daniel. Oui, voiture Infiniti, sport, ouais. Jacques, ça te sonne-tu quelque chose? Bien, sport, c'est certain qu'on n'est pas habitué à ces types de véhicules-là chez Infiniti. Et qu'on ait monté un véhicule semblable avec traction intégrale, avec 400 chevaux, comme Marc vient de dire, ça en fait une voiture vraiment nerveuse. Puis moi, ce que j'aime, c'est que Marc, lui, préfère que ça bourdonne un petit peu plus. Moi, je suis rendu au point que j'aime que ça soit plus doux, plus silencieux. Et pour une raison, c'est que ces véhicules-là, on les roule au Québec. Et au Québec, on a des routes tellement déformées, tellement rapiestées, si on pourrait dire, et lazardées de toutes les façons. On a des roues 20 pouces, qu'on le veuille ou pas, le fait que ces pneus-là absorbent toutes les imperfections de la route, sport, fait qu'à l'intérieur, généralement, on entend tous les débattements de suspension. Alors, si en plus, on va ajouter un moteur bruyant là-dedans, ça veut dire « wow ». Ça en va couvrir cas, une ouais. partie des bruits de pneus. Mais là, on essaie de se diriger vers une division sportive du côté d'Infiniti. Là. Tu sais, on a une présence en Formule 1. On essaie de bâtir quelque chose en se positionnant comme un constructeur de voitures super sport. C'est pas un peu risqué? Bien, ils n'ont pas ça. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment ça, là, à part que d'aller dans la Nissan R, si on sort d'Infiniti pour aller chez Nissan. Mais en dehors de ça, ils ont une belle grosseur de voiture avec un bon moteur. Et je ne sais pas demain la veille qu'on va reconnaître Infiniti comparativement à des divisions AMG ou autres. C'est-tu une Allemande? C'est-tu une AMG, justement, non, comme Jean vient de mentionner? On n'est vraiment pas là. Et ce n'est pas l'intention non plus.
Okay. Clairement, on n'a pas voulu. On a discuté en donne un peu avec Jacques. On parlait entre autres des Mercedes dans leur version AMG qui sont. Tu sais, là, c'est des véhicules qui sont solides, mais il n'y a pas de confort. Il n'y a pas de compromis à faire sur la performance. Ça, c'est vraiment, on a misé sur le confort davantage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux te reprendre un peu en disant, non, moi, je ne pense pas qu'Infiniti s'en va vers une division sport, parce qu'il y avait des IPL aussi à un moment donné. C'est vraiment, on a une voiture qui est une Q50, qui est une berline qui va très bien, qui se distingue par différents éléments. Pleine de technologie, d'ailleurs. Pleine de technologie. On a juste rajouté un moteur à celle-là. Tu comprends? On n'a pas voulu créer une division sport à proprement parler. On a juste profité qu'on avait un châssis capable de l'absorber et d'installer une motorisation qui était plus puissante. Mais je ne pense pas qu'on va revoir ça en abondance. Je ne pense pas que ce soit la philosophie à venir d'Infiniti non plus. Infiniti vont devoir se repositionner correctement, par contre. Oui, on nous arrive avec des versions sport de temps en temps. Si on veut vraiment se positionner, parce qu'encore une fois, je le répète, on se positionne en Formule 1 comme un constructeur, puis on utilise des F1 dans nos messages. On monte la voiture, on monte une Formule 1. Pensez pas que vous allez acheter une Formule 1 en achetant cette voiture-là. Mais on voit qu'on veut miser sur le plaisir de conduire. Oui, c'est ça. Ben, je pense bien que le fait qu'il ne se le cache pas personne, là, que Nissan et Renault, là, c'est comme ça. Alors, c'est certain qu'on va absorber, on va aller chercher tout ce qu'on peut de la Formule 1, de l'image de la Formule 1, pour dire oui, nos Infiniti aussi sont capables d'être performantes et agréables à rouler. Puis un avantage, Jacques Major, c'est les coûts d'entretien. Bien, c'est un véhicule qui est très reconnu pour la durabilité, qualité de sa fabrication, durabilité. C'est un véhicule qu'on achète, qu'on peut rouler pendant des années sans avoir à penser toujours à aller faire vérifier une lumière qui scintille dans le tableau de bord pour à peu près rien. Disons que c'est un bon compromis. C'est un compromis entre le confort, la performance. Infiniti, tu as raison, c'est pas trouvé encore au niveau de la personnalité à proprement parler, mais je pense que la Q50 Trespa et la Q50 générale et la Q60 aussi sont vraiment un bon compromis pour Infiniti. Je pense que leur changement de nom n'a pas aidé. Là. Ça va prendre un certain temps avant que tout se mette en place, que tout tombe en place, les nouveaux produits qui arrivent, les nouvelles technologies avec le QX50 qui a une nouvelle technologie moteur. Je pense que là, on s'en va dans la bonne direction. Probablement. Merci, messieurs. On se reparle un peu plus tard. Vas-y, ben oui. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on va revenir.